Alors, qu'est-ce que je peux dire comme connerie? Ah oui. Brûler ou ne pas brûler. Aider ou tendre les bras. Brûler et perdre les bras. Et salut YouTube, on se retrouve pour l'épisode. Je sais pas combien. Voilà, c'est comme ça. Vous n'avez rien loupé. Il ne s'est rien passé. Allez, continue. Bon. Et vu qu'on a combattu deux fois la femme araignée et que j'ai deux fois vu cette pancarte et cette toile d'araignée, j'imagine qu'on va tomber sur Lara. Ah non, c'est pas Lara. Mais c'est bien une salope. Oh non! Non, 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 non. Pas ça. Pas des coups comme ça. Je le sens très, très mal. Je le sens très, très, très mal. Je le sens super mal. J'aurais dû le buter. Oh là. Oh là là. Excuse-moi l'ami, mais t'es pas convié à la fête. Ah! Sébastien! Ok. Compteur électrique. Une ambiance lugubre. J'ai l'impression qu'on va combattre la Lara. Hein. C'est vraiment le truc de la race, hein. Chaque fois, c'est ces ambiances-là. Hein. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Je suis pas à l'aise. Je suis pas bien. Je préfère vous le dire tout de suite, je suis pas bien. Je suis clairement pas... Pour moi, là, c'est non. Viens Coco. Tu ne veux pas venir. Pourquoi ça? Peut-être parce que tu ne m'as pas vu. Peut-être parce que tu ne le peux pas. Hé hey. Ouais, je confirme, ouais, c'est... C'est moyen comme moyen de survie. Je suis passé... Et sans dépenser une balle. Et à quel moment il remonte ce levier? Cartouche ici. Groupe électrogène là. Pas de... Statue cachée repérée pour le moment. Je sais pas ce qui se passe. Ouais, mais qu'est-ce que. C'est un rat. D'accord.
Ça va se refermer. Ça s'est refermé. 0, 0, 0, 0. Ah. Ah. Ouh, ouh, ouh. On va peut-être prendre ça un peu avant quand même. Non, je ne peux pas brûler. Petit passage. Ah oui, de l'histoire. Journal de Sébastien Castellanos. 20 décembre 2012. Je n'ai pas eu la moindre nouvelle de Mira depuis l'arrivée du colis. J'ai peur de montrer ses preuves à mes... supérieurs. Ce qu'elle insinue est trop terrifiant et les personnes impliquées trop haut placées pour que je puisse faire quoi que ce soit. Mais les preuves qu'elle a ramassées suffisent à me convaincre que la mort de Lily n'était pas un accident. Ils se sont enfin décidés à ouvrir une enquête sur la disparition de Mira. Mais on m'interdit d'y participer. Ils disent que c'est parce que je suis son mari, mais je crois qu'ils m'ont placé sur la liste des suspects. L'enquête piétine. Je poursuis de mon côté parce qu'on abandonne. On abandonne pas sa famille. C'était quoi ça? Pourquoi ça? Il y a un truc qui va pas. Tatiana? 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 Ça va? Vous avez oublié quelque chose? Ouais. Je crois que j'ai oublié de perdre la tête. Tatiana Gutierrez. Disparue. Mais elle... On a perdu les couleurs. On est redevenu dans le gris. Tatiana Gutierrez, infirmière à l'hôpital psychiatrique Beacon. Disparue durant une garde de nuit. Rien n'indique qu'elle aurait quitté le bâtiment. On a perdu le tableau, les tournesols. Ah ouais. Plus on avance dans le jeu... Plus cet endroit est détruit. Alors, revenez vers les chapitres 6, 5, machin. L'endroit est regorgé de vie. Même au chapitre 9, quand on avait la ferme, on avait les tournesols qui sont emparus, on avait plein de trucs. Mais là, ça a changé. On entend juste la pendule, le bruit des ventilos. On avait un endroit chaleureux qui est devenu... un lieu quasiment terrifiant. Un lieu digne d'un urbex. 20 000. Non, je ne t'utiliserai jamais. Pouah, pas déconner non plus, hein. On va sauvegarder. Et on va prier, hein. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus rien à l'histoire. Qu'est-ce qui se passe?
Ok. On va se faire comme ça. Ok. Ouh, j'ai bien fait de prendre ça. Oh, ah, oh! Ah, sur l'épaule. Ah. Heureusement que ma... C'était quoi ça? C'est-à-dire que ma chemise était auto-nettoyante, mais là j'ai vu un truc de fou. C'était une tentacule, on est d'accord. Ok, un ventilo. Il y a de quoi brûler. Un harpon. C'est ce qu'on va prendre de suite d'ailleurs. Là tu caches tellement de statues au mètre carré que ça en devient introuvable. Qu'est-ce que je disais? Introuvable. Force. Non. Non. Vous allez me faire électrocuter. Vous allez me faire électrocuter les gars, c'est pas bon. Non, c'est pas ça que je veux. M'étonne. En plus, il était comme ça. Oh non, sans déconner, c'était vraiment un piège sournois. Je regarde par terre maintenant. Ok, pour geler les ennemis. Piège à loup. Il y a vraiment un piège à loup. Aïe 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 aïe. Ok. J'ai l'impression que cette zone n'est pas très accueillante. Allez, crame. Brûle, brûle, brûle. Pas de temps à perdre. On prend la clé. Et on se taille. J'ai du mal à entendre ces débris de pourquoi avec ces... Qu'est-ce qui tombe là? Oh, c'est... J'ai l'impression d'être retourné dans les... pas totalement dans les égouts de... du premier niveau, mais un peu dans, la même, dans le même style. C'est à peu près le même style. Après, on a souvent été dans des endroits comme ça. On va pas se le cacher. Fusible. Fusible haute tension issu d'un boîtier de raccordement. Toujours intact, il peut être réutilisé. Ça, une petite mécanique de gameplay intéressante. Ok. Le niveau de l'eau ne baissera pas plus.
Haha. Et je t'ai vu. Bon. Bon, ça serait bien qu'on retrouve Joseph et Kidman. A posteriori, Joseph en premier, Kidman en second. Tant que je la trouve avant Leslie, ça serait bien. A posteriori. A posteriori. Ouh ! Je confirme, c'était bien une tentacule. Pas de panique. Des tentacules géantes nous aident. Pas de panique. C'est normal. Ok. J'ai l'impression de m'enfoncer dans le cœur des d'une tanière de je sais pas quoi là. Ça fait penser. Oh, ça fait penser un peu à la alien hein, quand même. Hein. Bon, c'est pas ça fait penser, c'est un truc à peu près comme ça, du mucus de partout. Déjà deux qui emmerderont moins. Bon. Voilà, du sirop. Oula ! Merde. Je sais pas d'où ils sont venus, peut-être que je les ai loupés. Mais ils ont le mérite d'avoir tenté quelque chose. Ils ont ce mérite. Ok, boîte de pompe, ça me fait très bien. Ça fait... On enlève le fusible. Donc on a deux fusibles. Ah. Oh, salaud. Une balle en réserve. Et faut que je la garde pour ces créatures comme ça. Ok. Ok, c'était. Allez. Bien, 3 balles. A mon avis, 2 bien placés, ça peut le faire bien dans la tête. Allez. Se concentre ! Se concentre ! Allez, y'a rien d'effrayant, y'a rien d'effrayant. C'est ça, 2 balles bien placées, ça règle le problème.
problème, c'est pas tellement ça. C'est que je suis quasiment à sec de tout. Ça devient très vite compliqué. Ça devient compliqué à gérer cette histoire. Qu'est-ce que c'est que cette chose? On dirait une sorte de... Ouais. Une sorte de... De monstre! Où ça brille pas mal ici. C'est très saturé en couleurs ici. Peut-être même un peu trop pour moi. Oh oui. Encore un... Veuillez arrêter de fermer les portes derrière moi s'il vous plaît. Fragment de carte numéro 27. Fragment de carte numéro 27. Ok, dans notre chambre. Elle est plus là. Il n'y a plus rien. Il y a quoi là? Ok. Donc je peux te friser trois fois mon ennemi maintenant. 15 000, ouais, d'accord. Ok. Bien. Eh bien, ce fut... On dirait une arène. J'entends un moteur. Merde, y a plus de jus. T'inquiète. Y'a plus de jus, t'inquiète! Ah, attendez. Attendez. Ouais, voilà. Diplôme d'électricien, succès déverrouillé. Fais chier. Depuis quand je suis électricien? C'est une super bonne question. Oula. J'aime pas ça. Oh shit! C'est ben une pieuvre.
Eh bien, on va utiliser l'arme interdite, mesdames et messieurs. L'arme interdite. Couché. Aïe. Voilà. Le pistolet interdit. Le Magnum. J'aurais peut-être dû garder des balles. Ouais, il fallait que j'utilise quand même ce flingue. En tout cas, efficace. 10 000. Impressionnant. À sec, à sec. J'aurais pu le figer aussi, c'est vrai. Mais à quoi bon figer quelque chose quand on peut lui mettre ? Me demandez pas. Alors. Ouh ! Eh bien, ça a pas duré longtemps. Je m'attendais à Lara, finalement j'ai eu le droit qu'à 4 petites tentacules. Et j'ai pas mis longtemps à faire les sashimi. Ouh. Aïe aïe aïe. Ok. Un couloir sombre, étroit. Et encore dans les... On est encore dans le métro, hein, techniquement. Oui, on est encore dans le métro. Il y a les rails. Et j'ai rien oublié en passant... Non, j'ai rien pu oublier. Encore du gel. 25 000 quand même, hein. Oh. Oh, on est arrivé. On y est arrivé. Yes. Je pensais pas que ce serait aussi rapide. Ok. Il va se passer un truc. You.
Non. Attendez, je peux rien faire. Ah si, revenez en arrière. Ah non, c'est... Je suis passé. You will die. J'attends le die. J'aurais préféré un die. Je peux pas sauter ça. Ouais, non, c'est ça. Techniquement, je suis au bon endroit. Alors, attendez. Ah, Rubik, voilà. C'est pas bon ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Il est là. Il y a Rubik. Il y a Rubik. Vous avez encore publié mes recherches sous votre... J'ai vu Rubik dans le hublot de la porte. Et quand je l'ai ouvert, on a eu l'image spectrale. Et il a disparu du coup, de là où je l'ai vu. Il était dans le hublot de gauche. Et là, on est revenu dans le sort de système STEM, avec les baignoires, pour relier les personnes. Ok. Ok, ok. Vous pensiez pouvoir me le cacher? C'est un service que je te rends. Tu n'as pas de référence. C'est ta seule chance d'être publié dans un journal réputé. Personne n'est même au courant que tu existes. Oh, on me connaîtra. Vous savez très bien que je vous surpasse sur tous les points. Peu importe, j'ai ce qu'il me faut. Il ne manque que la procédure. Exact. C'est pour ça que nous sommes là. Vous n'oseriez pas. Vous ne pourrez pas terminer sans moi. Précisément. Tu veux peut-être que j'ai pitié de toi ? Ils sont l'air vilains là. Ils ont l'air vilains. Pas comme la dernière fois. Ils étaient plus sages la dernière fois. Eh bien voilà, chapitre 14 terminé, mesdames et messieurs.
épisode court. Le prochain chapitre, c'est la fin. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, certes court, mais riche en vérité. Donc, le docteur, je sais plus comment il s'appelle, le docteur Jacob. Bon, bref, le docteur s'est servi de Ruvik pour créer le système STEM et a publié ses recherches à son nom. Et ensuite, a utilisé techniquement Ruvik comme cobaye pour finaliser la procédure, comme ils ont expliqué. Tu m'étonnes que le mec veut tuer tout le monde. Ça, plus son passé qu'on connaît avec sa famille, les Victoriano. Oh là là. À voir ce que le chapitre 15 nous réserve, mais ça promet d'être grandiose. Bien, mesdames et messieurs, je vous dis donc à bientôt. Au revoir.